Je viens d'entendre le président de la République parler sur les retraites complémentaires. Visiblement, il n'a pas lu l'accord, hein, parce qu'il dit que ça ne repousse pas l'âge de départ. Dans les faits, ça repousse l'âge de départ. Ça veut donc bien dire que cet accord que nous ne signerons pas, enfin on prendra la position demain, mais c'est mal barré pour consigne, c'est évident, cet accord, c'est aussi un signe politique. Avant les présidentielles, quel que soit le gouvernement demain, quelle que soit la majorité, où ils allongeront la durée, où ils repousseront l'âge. Quand vous accordez tout ce que demande le patronat, c'est ce qui est fait depuis quelque temps, il ne faut pas s'étonner que le patronat ait satisfaction et que le gouvernement, ben, finalement, suit le patronat. Le gouvernement est plutôt à l'écoute du patronat. Le dialogue social, c'est entre le MEDEF et le gouvernement. On voit bien que sur la méthode, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre pays. On voit bien que le contexte social, économique continue de se dégrader. On voit bien les tensions sociales qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Donc évidemment, nous sommes un peu amers sur cette conférence sociale et nous considérons que c'est un peu la conférence de la dernière chance.